se retrouve, c'est ici, votre communauté, c'est ici, pas ailleurs, soyons nombreux. Je vous dis toujours, cliquez au coin là, vous avez une cloche, cliquez, devenons nombreux, plus nombreux alors cette fois-là pour que on interagisse normalement avec beaucoup d'intelligence sur les questions qui concernent notre pays. C'est ici, pas ailleurs. Vous avez suivi le débat, je veux me dire honteux, pour un pays responsable. Et curieusement, un point de vue avancé par une chaîne censée être respectée. Sinon, je veux dire la radio. RTBF. Les Belges. Et ça démontre le degré du complot contre le pays. Non, le président de la République démocratique du Congo est allé au Rwanda commémorer les 30 ans du génocide rwandais. Qui sait qui dit? Qui ont suivi les points de vue chaque jour contre Paul Kagame, contre le Rwanda? Et s'est déplacé jusqu'à Kigali. Quelques temps après, RTBF revient pour présenter ses excuses. Comment un grand journal, comment une grande chaîne comme celle-là peut donner des informations sans avoir vérifié avant? C'est grave. Non, le président de la République est quelque part. Il n'a jamais été au Rwanda, il ne pouvait pas aller au Rwanda. Il est à la quête des solutions pour son pays. Nous vous disons, il est quelque part. Il se bat pour son pays. Deuxième question, nous parlerons de l'Assemblée nationale jusqu'ici qui tergiverse. Au lieu qu'on nous organise rapidement l'élection du bureau pour que celui-ci reçoive le gouvernement qui sera bientôt publié par la Première ministre, afin qu'on ait un gouvernement qui doit en tout cas faire avancer les choses au pays. Et voilà, à l'Assemblée nationale, c'est les postures des individus. C'est curieux. Nous revenons sur la déclaration que nous avons tous suivie, sinon la dénonciation, en d'autres termes, l'information donnée par Eric Nkumba, le conseiller politique et stratégique de Nanga. Mais je vais vous faire une révélation aujourd'hui sur une personne. Le professeur Bob Kabamba. Vous allez apprendre ici. Qui est-il? Et c'est là, quand vous faites la déduction, vous allez comprendre que ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Même si on a suivi Olenganko, il est en train de s'agiter. Je vais vous faire la deuxième révélation, c'est avec Patia et Kaïba. Où est-il aujourd'hui? C'est à travers cette émission. Je reviens, nous allons revenir sur le génocide parce que d'autres m'ont posé la question, Pascal, mais le Rwanda, 30 ans après, on s'est valorisé, les gens compatissent pour eux, tout ça. Mais le Congo qui a perdu plus de 10 millions, pourquoi nous ne savons pas faire vendre au pays ou à travers le monde le nombre de gens qu'on a massacrés, qu'on a tués au Congo pour que les gens aient également la compassion des morts en République démocratique du Congo? Nous allons également analyser avec vous. L'élection des gouverneurs. Vous aviez suivi, la CENI avait invalidé deux noms sur la liste de ceux qui avaient déposé les candidatures ici à Kinshasa. La Cour d'appel a tranché, demande à la CENI de réintégrer les deux noms en question, de Deo Kasongo et de Vidier Chimanga. À Kinshasa, quand il pleut aujourd'hui, il n'y a pas vie. Visiblement, tous les collecteurs sont bouchés. Toutes les avenues sont délabrées. La question maintenant, qu'est fait l'OVD? Qu'est fait l'Office des routes? Qu'est fait l'Agence des grands travaux? Et enfin, nous allons nous interroger, pourquoi à ce jour, le paiement des agents publics n'intervient que très tardivement? On est en train de consommer un mois sans paiement.
Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que nous voulons nous interroger. Et voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger avec vous aujourd'hui. Pour le président de la République, nous vous avons déjà dit, il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été à Kigali. Il ne pouvait pas aller à Kigali. Mais je veux vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est celui qui, à travers ses multiples déclarations, est contre le régime de Kigali, et contre le président Paul Kagame, qui est son homologue, il n'a pas ménagé de propos. Il a démontré à la face du monde que le régime de Kigali, c'est un régime sanguinaire. Paul Kagame, c'est un dangereux pour l'Afrique. C'est que le Congo connaît aujourd'hui, le responsable s'appelle Paul Kagame. Là, c'est Félix Tshisekedi qui le dit. Et à chaque intervention, c'est extraordinaire pour un chef de l'État. Et voilà, nous les Congolais, nous devrions plutôt applaudir un tel président de la République. Nous sommes le premier maintenant à vouloir chercher comment le diaboliser. Nous ne sommes pas sérieux parfois. Qu'est-ce qu'on veut? Apparemment, nous aimons une chose et son contraire. C'est que Kabila ne savait pas faire hier. Et nous disions qu'il fallait qu'on ait quelqu'un, un fils du pays, qui soit plus tranchant. Aujourd'hui, on a un fils du pays qui est trop tranchant et nous sommes les premiers maintenant à les condamner. C'est une contradiction. Voilà comment les Belges nous font. Cette radio belge n'a su que dévoiler ce qui est monté à l'interne de leur royaume. Contre nous, hélas. Comme je vous ai dit, le chef de l'État est quelque part. Le génocide rwandais a été commémoré à Kigali, 30 ans après. Et là, quand vous allez à Kigali, on a exposé les crânes des gens. Pas forcément des gens qui ont subi le génocide, pas forcément. On est allé déterrer d'ailleurs, même des gens dans les cimetières qui étaient morts pour maladie ou autre raison. Mais on les a déterrés, on a pris les crânes, on est allé exposer. Et quand vous y arrivez, la première réaction que vous aurez, c'est la compassion. Et voilà comment le Rwanda a pu gagner le monde. Encore que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit les États-Unis, sont responsables plutôt de n'avoir pas, à son temps, stopper ce génocide. Alors, lorsqu'ils voient cette exposition, ils sont les premiers à vouloir afficher leur sympathie parce qu'une manière de cacher ce qu'ils avaient mal fait hier. Et aujourd'hui, c'est contre nous. Le Rwanda devient maintenant un partenaire par excellence. Et les gens me disent, mais oui, le Rwanda fait, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi nous ne parvenons pas à faire ça? Alors que nous, on nous a massacré plus de 10 millions de personnes qui ont perdu des vies à l'est de notre pays. Mais ça passe comme ça inaperçu. Ah oui, vous avez raison. C'est à nos responsables de penser à ça aussi. Nous avons autant de cimetières par-ci, par-là. On peut faire ça, déterrer, chercher des crânes, exposer pour démontrer le génocide réalisé en République démocratique du Congo. Je pense que c'est pas impossible. Mais il faut que nous soyons correctement organisés. Nous devons être organisés. Mais regardez aujourd'hui. Les uns font la rébellion comme pour appuyer les mêmes
qui commettent le génocide sur notre sol. Ça veut dire que le M23, qui est le Rwanda. Mais un Congolais sérieux va appuyer ceux-là qui commettent le génocide. C'est là que ça devient compliqué en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est honteux de voir cela. Vous, hier, vous étiez en train de démontrer à la face du monde qu'on n'est pas en intelligence avec le M23. Je parle du régime passé, le régime de Kabila. Comment les mêmes aujourd'hui peuvent avoir le M23 comme partenaire d'action contre le pays? Ça veut dire, en d'autres termes, depuis toujours, ils ont toujours été en intelligence. C'est ça que ça veut dire simplement. Sinon, ils pouvaient tout sauf accepter ce partenariat avec le M23. C'est grave. C'est vraiment grave. Le temps de nous organiser, et voilà aujourd'hui nous sommes dans des distractions. Pourquoi je parle de distractions? Le chef de l'État prend l'ordonnance. Il nomme une dame comme première ministre. Elle doit aujourd'hui nous sortir le gouvernement. Les autres là aussi me disent, mais pourquoi elle doit encore prendre beaucoup de temps alors que Augustin Kabuya s'est transformé en formateur? On suppose avoir déjà fait le travail, mais pourquoi le Premier ministre doit encore prendre beaucoup de temps? Non, vous ne comprenez pas. Augustin Kabuya, qui était informateur, devenu formateur, il a commencé par identifier la majorité et finalement dégager les principes de partage du pouvoir. Le travail que ferait le formateur lui a fait, mais la Première ministre maintenant, c'est dans la sélection des noms. D'ici quelques temps, le gouvernement va sortir. Mais le problème, ce n'est pas la sortie du gouvernement. Et c'est là que nous revenons sur ce que nous vous avons annoncé, le dossier de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? La session ordinaire a ouvert ses portes depuis le 15 mars. Une session spéciale et spécifique du fait que, un, la première mission, c'est l'organisation de l'élection du bureau définitif. Deux, l'investiture du gouvernement. Mais comment nous pouvons comprendre que aujourd'hui, bientôt un mois depuis l'ouverture de la session, l'Assemblée nationale ne soit pas en mesure de nous organiser l'élection du bureau définitif? Les gens font des calculs, qui doit être président, qui ne devrait pas être président. Ici, nous citons deux personnes. Christophe Mboso, le citoyen Mboso, l'ancien président de l'Assemblée nationale. D'abord, il a été président du bureau d'âge de la législature passée. Finalement, il sera élu président de l'Assemblée nationale, finalement jusqu'à la fin du mandat. Il va bénéficier la présidence pour la troisième fois, cette fois-là, comme président du bureau d'âge, mais aujourd'hui, il veut encore aller comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Citoyen Mboso, le vieux n'est pas fatigué. Non, mais parfois, je me dis, il faut que j'aie cette taille-là, il ne faudrait pas que j'aie la taille de Luizon. Non, je souhaite avoir la taille de Mboso pour que, même si je suis très vieux, que je sois toujours fort. Il est extraordinaire. Je vous salue, mon vieux. Encore 100 ans. C'est le Dieu sait comment il peut nous protéger. L'autre, c'est Vital Kamerhe, le collaborateur du président de la République, depuis le premier mandat jusqu'au deuxième mandat. L'ancien président de l'Assemblée nationale à son temps, de 2007 à 2009, je crois. On dit, c'est le meilleur de président que le pays, de l'Assemblée nationale bien entendu, que le pays ait connu depuis que nous avons organisé les élections en 2006 jusqu'à ce jour. Lui aussi veut à tout prix prendre son fauteuil pour qu'il conduise l'Assemblée nationale. Voilà les deux, tous du présidium de l'Union sacrée, tous les deux
prétendent être des collaborateurs du chef de l'État, et voilà aujourd'hui, ils font traîner les choses parce que simplement, ils voient leur posture personnelle comme individu. Ils ne comprennent pas l'enjeu, les défis du pays aujourd'hui. La guerre est là. Les menaces sont permanentes. Au lieu que les institutions soient assises pour qu'on réfléchisse comment trouver solution à certains défis, et voilà, c'est la dissection à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est moi, pas l'autre. C'est moi, pas l'autre. Et le temps passe. C'est comme ça que je vous dis, même si la première ministre peut sortir son gouvernement au moment où nous sommes en train d'organiser cette émission, ça risque de prendre encore un mois pour que son gouvernement soit investi. Parce que le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif de l'Assemblée nationale, lequel n'est pas organisé, n'est pas connu du fait que l'élection à l'interne n'est pas encore organisée. Et nous faisons passer le temps comme ça. Je vous démontre les conséquences. Ça nous renvoie finalement au point où vous aviez vu quand il pleut à Kinshasa et le temps de paiement des salaires des agents aujourd'hui. Quand les institutions ne sont pas bien assises, ça crée un dysfonctionnement. Quand il pleut aujourd'hui à Kinshasa, les conditions deviennent très néfastes. Les gens vont me dire, mais c'est quoi? Ce n'est pas parce que je suis avec le président de la République que quand les choses ne marchent pas, je dois les dénoncer. Et c'est cela être un bon conseiller. On ne peut pas être complaisant. Hier, on critiquait. Aujourd'hui, on ne sait pas critiquer. Non. Quand ça ne marche pas, on doit les dire clairement. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. À Kinshasa, pratiquement tous les collecteurs sont bouchés. Quand il pleut, l'eau n'est pas canalisée. Et la conséquence, il y a débordement. Et comme il n'y a pas d'avenue aujourd'hui, et cette eau se déverse dans des parcelles des individus. Je pense que nous avons les images, Augustin. Je vous ai démontré la fois passée, vous prenez les trois communes proches de la ville ici. Aucune avenue, personne ne peut venir me contredire. Aucune avenue. Et là, nous allons applaudir. Non. Kabambare, c'est la grande avenue délabrée totalement. Kabinda, c'est une grande avenue délabrée totalement. Itaga, c'est une grande avenue. Ça traverse les trois communes là. Délabrée totalement. Quelle avenue encore? Quelle route praticable ce jour? Et pourtant, l'OVD est là. L'office des routes est là. L'agence des grands travaux est là. On ne va pas nous dire, et aussi aujourd'hui, ils sont des missionnaires comme le gouvernement. Non. Mais la question, pourquoi le travail n'est pas fait? On m'a dit, d'autres m'ont répondu, mais il y a des projets avec les Turcs. Et... oui, mais tout en attendant. Le temps n'est pas congolais, le temps passe. L'autre m'a contredit la fois passée pour me dire, lorsque j'ai dit, mais nous perdons 4-5 mois depuis les élections sans qu'on ait le gouvernement. Oh non, Pascal, le chef de l'État a prêté serment au mois de janvier. Non, vous ne voyez que la prestation du serment. Il faut commencer par le temps d'organisation des élections. Mais nous sommes en avril aujourd'hui, combien de mois nous avons perdu? Nous devons réviser la constitution. Cette constitution mérite une révision, sinon un changement total. Parce que les blocages, le temps que nous perdons là, c'est dans cette constitution. L'autre me dit, mais c'est la faute au chef de l'État. Mais la faute au chef de l'État, c'est à quel niveau? Il pouvait nommer le Premier ministre au mois de février. Jusqu'à ce jour, ce Premier ministre n'allait pas avoir le gouvernement du fait que l'élection n'est pas organisée à l'Assemblée nationale. Sa faute, c'est à quel niveau? Et la preuve, il a déjà sorti le nom du Premier ministre. Mais on ne sait pas avoir le gouvernement. Parce qu'à l'Assemblée nationale, l'élection du bureau définitif n'est pas organisée. Voilà le problème que nous avons. Et ça nécessite, en tout cas, une prise de conscience pour que, d'un côté, le choix des acteurs soit conséquent, qu'on n'envoie pas n'importe qui. Et c'est là où moi je suis en train de saluer à ce moment le parti politique UDPS qui s'organise.
je ne veux pas dévoiler beaucoup de choses, qui s'organise pour que la gestion soit totalement entre les mains du pays, du parti au pouvoir. Ce sont eux qui ont la vision. Ce sont eux qui seront défiés. Il n'y a pas d'autre parti. On dira que ben, l'IDPS a échoué. La lecture générale, c'est celle-là. On ne verra pas d'autre parti. Non, l'IDPS, vous aviez beaucoup chanté, mais où en sommes-nous? Monsieur le secrétaire général, Augustin Kabouya, c'est cela le défi que vous avez. Mais de rien. On ne verra pas d'autre parti politique. Je suis désolé. On ne verra pas le parti de Mbosso. On ne verra pas le parti de Bahati, non. On ne verra même pas l'UNC de Vital Kamerhe. On verra l'UDPS. L'UDPS a échoué. Et alors qu'il aura travaillé avec d'autres. Le salaire des agents de l'État aujourd'hui. Hier, c'était les 25. Les agents sont payés. Aujourd'hui, le paiement ne s'effectue plus le 25. Le 25, 26, 27, 28, 29, 30 ou 31. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on va payer. Ah mais non. Est-ce que vous imaginez les conséquences de ces fonctionnaires de l'État qui ne sont que des locataires pratiquement, parce que nombreux ne sont pas à mesure d'avoir des maisons. Mais vous les exposez. Vous les exposez. Voilà pourquoi il faut rapidement que les institutions soient installées. Ici, je parle du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Au sens normal, pour que de tels débats soient engagés, qu'on trouve une solution rapidement à ces maux. Nous abordons le dernier point. Le dernier point, c'est un rapport avec ce que tout le monde avait entendu sur Eric Nkuba, le collaborateur de Corneille Nanga, arrêté depuis Dar es Salaam. Ramener au pays, garder dans les services. Et finalement, il livre maintenant, sinon il donne son avis devant la presse. Il cite des noms. Il nous a cité le nom de Lengankoy comme collaborateur de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nanga. Il cite le professeur Bob Kabamba comme collaborateur en intelligence avec Corneille Nanga, AFC. Il cite Patia Kaiba, l'ancien directeur général de l'OGFREM. Sur le plan politique, enfin, sur le plan militaire, il cite Joseph Kabila et il cite John Numbi. La fois passée, nous avons fait une lecture globale. Mais aujourd'hui, nous spécifions. Nous commençons par le cas Patient Saïba. Le monsieur, dans sa déposition au niveau des services, il a dit qu'on s'était entendu qu'on se rencontre avec lui à Kigali avant que moi je me retrouve en Tanzanie. Mais lorsqu'il arrive en Tanzanie, à Dar es Salaam, c'est alors qu'il sera arrêté. Il est arrêté en janvier. Au moment où nous sommes en train d'organiser cette émission, le monsieur est à Kigali. Ceux qui commençaient déjà à spéculer que, bon voilà, on veut cibler les opposants, on cible Lengankoy et ainsi de suite. Patient Saïba est aujourd'hui à Kigali. La révélation. Deuxième révélation. Professeur Bob Kabamba.
cité par Eric Nkuba. Je vous dis ici, le professeur Bob Kabamba, sa maman, c'est une Rwandaise, une Tutsi. La maman du professeur Bob Kabamba, c'est une Tutsi. Ça ne peut pas nous dire quelque chose aussi? Et là, il a été à la base de la rédaction de notre constitution ici. L'état que nous trouvons dans notre constitution, où on a privilégié les Tutsi ainsi de suite, voici l'un des rédacteurs. Bon, ils ne sont pas des vrais rédacteurs parce qu'ils faisaient des... Ils ne savaient que copier la constitution d'ailleurs. La constitution française pratiquement. Mais les dispositions de la constitution sur la nationalité, Pascal parie qu'il a été pour beaucoup. Du fait que sa maman ne soit pas congolaise. C'est une Tutsi. Et lorsque Eric cite un tel personnage, ça ne peut pas nous interpeller. Nous, Congolais, aujourd'hui. En quoi un point de vue d'Eric Nkuba, qui était le conseiller politique et question stratégique de Corneille Nangaa, nous dévoile les contacts, j'imagine que lui-même, en tant que conseiller politique, avait avec des gens ici à Kinshasa. Et qu'il mette cela à la place publique. Pourquoi nous devons nous transformer en opposition comme pour dire non, on veut la tête de telle ou telle autre personne. Même si j'étais le collaborateur de Lenga Nkoy, ce que Lenga Nkoy fait, est-ce que je serais à mesure de tout savoir et tout connaître? Non. Même si j'étais le collaborateur de Claudel Lubaya, ce que Claudel Lubaya ferait, est-ce que je serais vraiment à mesure de tout connaître et tout savoir? Non. La preuve, Eric Nkuba lui-même dit, on lui pose la question, quand vous êtes déplacé, est-ce que votre femme était informée? Sa femme? Eric répond, non, ma femme n'était pas informée. Si sa femme ne pouvait pas être informée de ce qu'Eric faisait contre le pays, pour aller faire une rébellion contre son propre pays, en fortiori notre collaborateur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prétendre aujourd'hui prendre la défense de ces gens comme si tout ce qu'ils faisaient, nous étions supposés connaître. Non, je ne crois pas. Même alors. Mais ils sont cités. Ils sont cités par le monsieur. Le monsieur sera transmis maintenant auprès de son juge naturel. Là, le procès sera organisé. On va revenir à la question, monsieur Eric Nkuba. Reconnais-tu avoir cité des noms des gens qui sont en intelligence avec la rébellion de Corneille Nangaa? Il va dire oui. Quels sont ces noms? Il va encore de nouveau citer les noms. Êtes-vous prêt qu'on les appelle pour une confrontation? Il va dire oui. C'est lors de la confrontation et nous allons suivre. Ça c'est Pascal. Mais nous allons suivre. Pourquoi s'acharner aujourd'hui? Pourquoi Lenga Nkoy? Je ne veux pas. C'est un grand frère, hélas, je suis désolé. Il ne peut pas parler poisson d'avril. Poisson d'avril, qui a monté son poisson d'avril? Claudel Lubaya. Attendez. Vous irez présenter vos éléments de défense. Ce serait une bonne chose. Ceux qui s'acharnaient la fois passée contre Augustin Kabuya. Non. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal d'avoir des informations qui semblent être vraies contre votre pays. Vous êtes une personnalité. Et vous racontez avec les mêmes, parfois vous vous saluez. Ça fait mal. Vous allez les condamner pourquoi? Parce qu'il a dit à haute voix. C'est que beaucoup ont peur de citer Joseph Kabila. Non. Il a dit. Maintenant, c'est. Au camp Joseph de prouver le contraire. Il est où? Il est où? La fois passée, on fait monter un truc là à Kasumbalesa, qu'il est là-bas. Il est où? Dans ce pays, non, non, non. Des anciennes vidéos, et puis on fait croire aux gens qu'il est à Kasumbalesa. Kasumbalesa, il est où?
moi à sa place, on citait mon nom de cette manière-là. J'ai géré ce pays pendant 18 ans. J'ai quitté le pouvoir pacifiquement. Et vous voulez ternir mon image. Le matin, je sors. Au besoin, je vous amène en justice. Mais pourquoi on ne va pas en justice? Allez en justice. On va aussi trouver un prétexte. Non, la justice est malade. Oh non, ça c'est pas vrai. Allez en justice. On vous a offensé. Aller en justice, dire que je suis venu mécontent, on a cité mon nom, on m'a incriminé, je veux que la lumière soit faite. Mais personne, même si par Kabila lui-même, les collaborateurs peuvent aller. c'est compliqué. Hein? Ça se connaît. Ça se connaît facilement. Je partirai très facilement en justice. Vous citez mon nom comme ça, je vais en justice. Et donc, je donne raison à ces pasteurs qui donnaient des révélations telles qu'il y aura un moment où le président de la République va connaître de fortes turbulences. Surtout après les élections. Il y a des gens qui ont donné de telles révélations. Et c'est le moment. Ce n'est que le début. Nous ne sommes qu'au début. De vraies tensions vont arriver. Et lorsque nous aurons sorti de ces tensions, ce sera alors la vraie indépendance de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi restera incompris. Il ne sera pas accepté par sa population, sauf les plus éclairés comme nous autres. Parce que les gens sont dans le vulgaire. Regardez les débats, la qualité des débats que nous avons. Je vous ai toujours dit, allez-y, sur Facebook. Les gens, naturellement, aiment les élémentaires, des choses terre à terre, des choses inutiles. J'ai entendu la fois passée une petite fille aussi, ne connaissons pas Pascal, il ose parler avec Pascal. Vous parlez avec quel Pascal? Vous analysez les choses profondes de votre nation. Pas aujourd'hui, plus de 20 ans. Le même cap. La troisième bonne génération de notre presse. Pratiquement tout le monde, je ne veux pas exagérer, beaucoup sont passés par ma rédaction. Impassionnés pratiquement. Journaliste, reporter pendant beaucoup d'années, secrétaire de rédaction pendant beaucoup d'années, rédacteur en chef pendant beaucoup d'années, directeur des informations pendant beaucoup d'années, directeur de programme pendant beaucoup d'années, directeur général pendant beaucoup d'années. Et vous allez parler de Pascal. Et donc, nous ne sommes pas en profondeur, nous aimons les choses élémentaires. C'est comme ça que le chef ne sera pas compris. C'est tôt ou tard qu'il aura raison. C'est tôt ou tard, pas maintenant. Nous sommes ensemble. D'autres me disent aussi, mais pourquoi vous ne pouvez pas aller seulement à la présidence, être conseil du chef? Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Nous laissons le temps au temps, ça va arriver. Mais nos émissions, il sait les suivre à temps. Nous savons les conseiller en distance aussi. L'important est que ce pays connaisse le changement. Merci. En tout cas, je préfère m'arrêter là. À la prochaine.